Bonjour à tous et à toutes pour cette deuxième vidéo de renforcement musculaire à la maison. Je vais exactement conserver le même principe que la vidéo précédente, à savoir trois niveaux, niveau débutant, niveau intermédiaire, niveau expert. Par contre, cette fois-ci, on va calibrer sur du cardio, les fessiers et les bras. Allez, chaussez vos baskets, on se retrouve, à tout de suite. Allez, donc on attaque le niveau 1 qui concerne les personnes débutantes, c'est-à-dire celles qui ne sont pas habituées à faire beaucoup de sport à la maison. N'oubliez pas, regardez la vidéo précédente, c'est on fait un petit échauffement, d'abord 5 minutes, en petit talon-fesse, montée de genoux, écartement, tout ce qu'on veut, pour solliciter et échauffer un peu toute la partie musculaire. D'accord ? Cardio. Donc le niveau 1, c'est vous aurez 4 fois l'enchaînement à faire. La première partie, c'est le parti cardio. Je monte 30 secondes, 30 fois. Je monte. Je remonte bien sur l'avant du pied. N'oubliez pas vos épaules en arrière. Je serre un petit peu mes abdos et je m'aide de mes bras. D'accord ? Ça, c'est la partie cardio, 30 secondes. La deuxième partie, c'est je m'allonge sur le dos tranquillement pour la partie fessier. Ayez un bon alignement, pied, bassin, épaule. D'accord ? Et j'avance ici. Avancez bien le bassin vers l'avant. Je monte. Ok, 20 fois ici, une jambe, je monte, je descends, je monte, je descends. 20 fois, n'oubliez pas l'autre jambe. Et la dernière partie, ce sont les pompes. On va le faire sur les genoux. Abordez bien la première position, c'est un alignement genou, bassin, épaule. Je descends, je souffle quand je monte. Je souffle quand je monte. Ça, je le fais 10 fois. Ok, je descends tranquillement. À partir du moment où il y a une petite flexion des coudes, ça suffit largement. D'accord ? Donc, je répète pour le niveau 1, c'est 30. Montée de genoux, ensuite 20 fessiers, ensuite 10 pompes, et ça a renouvelé 4 fois. Si vous y arrivez bien, on passera à l'étape supérieure. Allez, à tout de suite. Le niveau 2 est un niveau intermédiaire. Cette fois-ci, vous allez faire 6 fois, okay, le circuit training avec à chaque fois cardio, fessiers et pompes. Le premier exercice cardio, c'est un jumping jack. Je pars écarté, j'écarte, je ferme, j'écarte, je ferme. Mettez les bras, vous allez voir que forcément, vous allez mettre un peu plus de cardio. Soyez rythmé, serrez bien vos abdos. 30, 29, 28, ok, vous en faites 30. Ensuite, le fessier, vous allongez tranquillement sur un tapis. Comme si vous étiez à la plage, vous respectez bien l'alignement. Ici, pied, bassin, épaule. Et vous amenez genou et je tends. Genou et je tends. Genou et je tends. Ok ? Tranquillement, une fois que vous avez fait ceci 20 fois, vous alternez l'autre jambe. Et le dernier niveau, c'est un niveau pompe. Vous allez faire 15 fois. Pompe normale pour un niveau intermédiaire. C'est-à-dire, je serre mes pieds, mes mains, largeur, épaule. Je descends ici complet et je monte. Vous le faites 15 fois. Surtout, ne creusez pas votre dos. Chapiteau non plus, serrez fort votre ventre, je descends, je monte. Comme le niveau 1, partie où il y a une petite flexion des épaules, okay, des coudes, pardon, excusez-moi, il n'y a pas de souci, d'accord. Je répète, 30 jumping jack, 20 fessiers et 15 pompes, le tour y est. Si vous êtes capable de le faire, on passera au niveau 3. Allez, donc on attaque maintenant le dernier niveau, le niveau 3, c'est un niveau expert, vous aurez 8 fois le même circuit training à faire. Attention, hein, celui-là, normalement, il pique un petit peu. Burpees, la partie cardio. Un burpees, c'est je fais ça, je ramène et je peux sauter. Hein. Ici, je serre fort, ne creusez pas. Ici, votre dos, surtout ici, ne creusez pas ici. Je ramène ici, je le fais une dernière fois. Ici, hop, vous le faites 30 fois. Ok, ça, c'est la partie cardio. La partie fessier, je reprends globalement le même exercice que le niveau précédent. Je m'allonge, je respecte bien l'alignement. Je viens toucher ici le genou. Et je tends devant. Je viens toucher le genou ici et je tends devant. Ok, ça je le fais 30 fois. Et ensuite, bien entendu, vous aurez 30 fois l'autre jambe. Au niveau des pompes, vous aurez 20 fois à chaque fois. Donc là, on peut diversifier. Il y a plein de niveaux au niveau des pompes. Soit vous serrez par exemple les deux mains. Okay, par exemple, pour un travail plus ici pectoral, je serre, je monte. À partir du moment où il y a une petite flexion, ça suffit largement. Ou alors même, je peux mettre mes pieds à une hauteur supérieur à mon bassin. Ici, je descends, je monte, pensez à souffler quand vous montez, et toujours pareil, ne creusez pas votre dos. Je répète, le circuit très simple, c'est 30 burpees, 30 fessiers et 20 pompes. Allez, on se retrouve pour la fin. À tout à l'heure. Allez, on termine cet épisode par juste une petite conclusion, à savoir que step by step, c'est-à-dire que si vous êtes un niveau 1 débutant 4 fois, si vous arrivez que 3 fois, c'est pas grave, refaites ça 2 à 3 fois consécutivement et vous verrez qu'après, au bout d'un moment, vous allez progresser. Et puis, même si on en oublie un, c'est pas grave, l'objectif c'est de faire du sport à la maison, restez chez vous et ensemble, on sera plus fort à la fin de tout ça. Allez, à bientôt, au revoir.